Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien. Ah, j'espère que vous êtes. Yeah! Allez! Une fois sur la chaîne du Caribou Canadien. Suicide! Oh. Yeah! Sensible. Et notre équipe. Que vous avez. Ma chère Nicole. De toute main rêverait d'avoir belle intelligente juste. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Ça n'a pas toujours été facile, je sais. Mais souviens-toi que le docteur Franklin a dit être un diplôme lors de la remise de diplôme. Face à un dragon, il faut savoir brandir son épée et son bouclier. Il faut parfois savoir quand s'agenouiller devant le dragon. Je t'ai toujours considéré comme une battante qui fait face aux plus grands défis. Est capable de brandir toutes les armes nécessaires pour se battre dans le courage et l'héroïsme. Nous n'avons jamais parlé de ce qui était passé avec ton père, mais désormais il y a certaines choses que je dois te dire avant de que cette maladie nous sépare. Qu'il y avait un parapluie là. Il n'y en a plus.
1 à 3. Mon père n'existe plus à mes yeux. Je ne peux faire confiance qu'à ma mère. Mon père avait irrévocablement trahi notre confiance et qu'elle avait eu raison de se jeter de cette falaise. C'était là, j'ai toujours été là, quand tu t'es démis l'épaule. Lors de ton premier match, tu as pleuré toute la nuit dans une pièce que tu ne reconnaissais pas. Et quand tu as embrassé Duncan Forbus, le guide de Noël en 85, tu as manifesté ton avortement pendant ta première année à la fac. Lucan était un bon garçon, mais même si je ne l'ai jamais dit, j'ai immédiatement pensé que vous n'auriez pas grand-chose à vous dire. La communication est un aspect fondamental de toute relation. Moins on se parle, plus on s'éloigne, il y a tant à dire. Mais le temps presse. Commencez, je tiens à m'excuser. Commencez, je m'excuse. J'ai jamais pensé que la rage était une émotion digne d'un bon chrétien. Je me suis suisse. Je m'en suis servi. Je m'en suis servi pour surmonter mon chagrin. Je ne veux pas que tu aies la même vie que moi, ma chérie. Je veux que tu te libères du passé. Une bonne fois pour toutes, c'est pour ça que je veux que tu fasses exactement ce que je te dis. Vendre notre hôtel. Vendre notre hôtel. L'hôtel appartient à ma famille. Et te reviens, retourne-y, Nico, j'ai engagé un avocat à Lena. Monsieur Jenkins te donnera cette lettre après le décès de ton père. Je ne serai plus là depuis longtemps, mais une visite rapide. Signe les papiers et vends ces murs qui me renferment de colère. Garde ce qu'il te faut pour rembourser tes prêts étudiants et donne le reste à la famille de la fille. Terminons cette histoire une bonne fois pour toutes, finissons-en une bonne fois pour toutes. L'hôtel appartient. Nous avons toujours été là pour l'un pour l'autre. J'aurais aimé être là pour assister à ta remise de diplôme, à ton mariage, à la naissance de tes enfants. Mais voilà, nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Utiliser le tien pour l'aimer, il n'y a rien qui soit plus important dans la vie. Pas moi, je t'aime plus que tout au monde. Claire Wilson, ta mère. Faites place, s'il vous plaît.
Le mauvais temps qui traverse la Montana commence à accumuler toutes les caractéristiques d'une tempête atypique. La mauvaise tournure de la météo prend les proportions inattendues avec des vents et des chutes de neige supérieures à la moyenne, en particulier dans les réserves naturelles de la forêt d'Helena. Le service météorologique national demande aux résidents de suivre toutes les instructions des autorités locales et d'éviter tout déplacement inutile. Certains météorologistes inquiets comparent cette tempête à celle qui avait frappé Billing en 1955 avec plus d'un mètre de neige. Deux gens ont ouvert l'hiver le plus rude quand Lewis et Clark n'ont jamais connu. Posez la question, c'est y répond. National Park Forest, Montana, U.S. Helena, Helena. C'est le seul souvenir que j'ai de la nuit où nous avons déménagé il y a 10 ans. The attorney said to check the office just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Comment puis-je vous aider? What's your emergency? Quel est votre problème? Hello? Allô? Can you hear me? Entendez? What's your emergency? Quelle est votre urgence? Mr. McGrath, hi. It's McGrath, Paul ici Polly de Century Telephone Company. I'm sorry to bother you. Ravi de vous déranger, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'entreprise exige de couper la ligne téléphonique des clients par défaut de paiement. Je suis vraiment navré, Léonard. Mais j'ai les mains liées. But my hands are tied. We have to go ahead. Je dois respecter la procédure. Je suis navré. Au revoir. Yeah, Nicole. Eh ouais, Nicole, ici, Jenkins, l'avocat.
La chaîne qui souhaite racheter votre hôtel vient de déposer une tonne de documents sur mon bureau avec les dédicaces de Mammouth et je dois vous dire, je dois me rendre personnellement au bureau de cadastral à compter avant que tout se passe. Écoutez, je sais que vous ne voulez pas aller au funérailles de votre père, mais maintenant l'hôtel vous appartient. La loi vous oblige à évaluer un étang avant de le mettre sur le marché. Votre mère est très aimable de vouloir rendre pareil à la famille de cette pauvre fille, Rachel. Ce n'est pas beaucoup de monde qui refuse une telle somme. Bref, c'est à vous de s'en gommer maintenant. Occupez-vous de ça et amenez-moi un burger comme ça. Vous n'avez jamais vu. Je vous ai laissé quelque chose, passe-partout sur la table de la salle à manger dans l'ancien. Commencez votre ronde par ici, donnez-moi quelques heures et... N'occupez-vous pas, d'accord? We should have hired a decent attorney. On a dû engager un avocat digne de ce nom à Portland, maman. Come on, let's do this. Allez, au boulet. Ça dans la main. À ce sou. Ils sont après la salle à dîner. Push to the
tête qui se dit. Everything's here exactly the same as when my mom left 10 years ago. It's so... Enfin, peu importe. Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. This is the manager's key. My mom wouldn't give me that. Ma mère ne voulait jamais me la donner quand. I'll need a master key for the guest rooms. Is this a joke? Doug? Hello? Can you hear me? Entendez, vous is êtes this bien, Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Que vous alliez arriver. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Initiative. Oh! J'imagine, I guess je ne saurais pas le dire. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Okay, d'accord. Et vous appelez une raison particulière d'Irving à l'urgence sur I'm calling to assist you during vous appelez pour vous aider pendant un séjour à l'hôtel, quoi. Timberline est vieux. Pérodus, vous y passerez un bon séjour et vous serez en sécurité. La chaudière, la cave d'air, tout ce qu'on trouve. Okay, enough. Bon, ça suffit. I don't know what Jenkins told you, but I had zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye.
This place is a real mess. Regardez pas toi, never thought to find anything like that. Hey, you still there? Irving? Hello, Irving. Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? J'ai quand même pas à prendre la voiture. No, I was thinking of jogging into town. Nicole, listen, if your car breaks down, we can't come get you, not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Elle est passée, Miss Wilson. Oh, sorry about that. I just... Nicole, c'est juste que Nicole va bien. That said, merci tout. Again. Encore merci. Thanks. Seriously. If you ended up out there with your car, si vous retournez sous 13 ans de maisonnette à moins 30 degrés dans la voiture, vos poumons ne tiendront même pas quelques minutes. Je me souviens comment ça se passe en montagne. La chance, il n'y a pas de sa place. En tant qu'agent du FEMA, je dois insister. Vous savez, vous n'êtes pas le premier homme. Pourquoi faire? Essayez de me barrer. Hey, à plus. Est-ce que pour ma journée, j'ai un Dodge 86? Je ne rate. Je ne serai pas ici une minute de plus. Alors, question à l'avocat et ça changera tout. J'emmerde tout. Ça, on est en train de venir à la même place.
Prends la voiture et pars avant que la tempête n'arrive. Hein? Bizarre. Ah ouais. Ben trop creux. Yeah. Ah. Fallait faire le boiler.
tell me you changed your mind. You there? Tu as changé d'avis, tu es là? Oh, yeah. Ah oui, c'est vrai. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. Je les avais laissés sur le siège. Think so? Ah oui, peut-être que quelqu'un. No. Listen. Le bureau se trouve à 19 km de l'hôtel de vol d'oiseau. Ça va souvent quelques kilomètres par la route. Il n'y a rien. Ni personne entre les deux. That's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of sympa. No problem. The keys on turn. Finira par trouver des clés. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des nouveaux téléphones portables. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent la radio. N'arrive pas jusqu'ici. Et quand on a signé un direct line through a shortwave sequencer, it's like a two-way radio station that's always open. This place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Appelle-moi, vraiment. Seriously. Oh, fine. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. What? Let's just forget it. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Pas peur du passé, d'accord. Found anything useful? No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. Oh. I can't believe it. I'm stuck. Shit. N'arrive pas à y croire, jour 1. Donc c'était tout. Le jeu. Le suicide. Rachel Faust. Fin du Caribou canadien. Oh yeah.